Hey! Bonjour à tous, je suis Thomas Gazio, spécialiste en marketing vidéo. Je suis super content dans cette vidéo de vous offrir un extrait de mon interview avec Frédéric Canvet. C'est mon spécialiste du growth hacking et c'est mon invité au sommet de la vidéo. Un sommet virtuel 100% en ligne qui réunit 25 experts pour vous aider à gagner en visibilité et gagner plus de clients avec la vidéo. Dans cet extrait, vous allez découvrir une définition du growth hacking et on s'intéresse également dans l'entonnoir de vente à la première couche, l'acquisition. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de recevoir Frédéric Canvet. Salut Frédéric. Salut tout le monde. On va parler aujourd'hui de growth hacking. The growth hacking, c'est quoi cette nouvelle science? C'est un truc, mais c'est extraterrestre ce truc. C'est pas vraiment extraterrestre en fait, c'est les recettes des startups qui ont été appliquées aux États-Unis et qui arrivent en fait en France et partout. En fait, le but avec ces techniques de growth hacking, c'est d'aller dominer son marché, même si on a peu de moyens, peu de temps et peu de connaissances. C'est vraiment des techniques agiles qui ont permis à des startups comme Airbnb, comme Hotmail et tout ça, et même Xavier Niel, qui ont réussi en fait à dominer leur marché en mettant en place des techniques vraiment très très simples. Et là en fait, je vais vous expliquer, bon, une petite synthèse, comment faire pour vous aussi appliquer ces modèles-là et réussir à faire votre place au soleil, même si vous êtes que tout petit, vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens de connaissances. D'accord, ben, vous savez quoi, en première partie déjà, on laissera le temps à Frédéric d'introduire qui tu es. On vous donnera une bonne définition du growth hacking, comment ça peut s'appliquer. Et je vous ai prévu un petit truc derrière, je vous montre ça dans un instant. C'est vraiment Fred et Jamy de C'est pas sorcier. Voici Fred, voici Jamy. On va s'éclater dans un instant sur ce sujet. D'abord, Frédéric, peux-tu te présenter à ceux qui nous regardent? Alors, bon, vraiment quelques mots. Ça fait presque 20 ans maintenant que je bosse dans le marketing. Donc, je suis product manager dans tout ce qui est logiciel B2B. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est tout ce qui est acquisition, conversion, etc. Et en parallèle, donc, j'étais consultant, blogueur, j'ai monté 2-3 boîtes. Et pendant des années, j'ai été un peu comme vous, j'avais pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens, je devais obtenir des résultats et j'ai fait des trucs un petit peu au hasard. Et un jour, j'ai vu ce concept de growth hacking qui est venu des sets, je me dis « Oh putain, mais c'est exactement ce que je fais !» C'est-à-dire essayer de faire des trucs un petit peu originaux, essayer de casser les codes, essayer d'automatiser des choses. Quand on a peu de temps, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit le growth hacking c'est top. Et ça m'a passionné et grâce à ça, en fait, j'ai sorti un bouquin qui a été publié il y a à peu près un an de ça, qui s'appelle le Growth Hacking, qui explique justement comment on va se lancer et on va essayer de… la méthode, c'est une méthode en 8 étapes pour essayer de doubler son nombre de prospects. Alors, c'est vraiment comment lancer sa boîte, comment la faire croître et comment aller récupérer du prospect ciblé. Très bien. C'est un bouquin que je vous recommande parce qu'effectivement, c'est en 8 étapes. Il y a une partie introductive au growth hacking qu'on va regarder ensemble en ce moment. Mm-hmm. Et puis, il y a différents paliers et on va les regarder tous ensemble. Voilà, je vous ai dessiné un magnifique tunnel derrière que je vais vous montrer plutôt proche de la caméra. On va jouer à quelques petits jeux. Je vous ai prévu tout ça. D'abord, effectivement, prenons le temps de donner une définition au growth hacking, d'où ça vient comment ça marche le growth hacking? En fait, dans le growth hacking, il y a deux mots, il y a growth et hacking. Et là, ça définit tout le concept. Parce que pour certains, en fait, le growth hacking, c'est les techniques de pirate, c'est pirater des fichiers, c'est faire du spam. Or, en fait, le growth hacking, il y a deux mots. L'un, d'abord, c'est growth. Et c'est le plus important. Et c'est ce fameux tunnel qu'on verra tout à l'heure. C'est tout simplement assurer la croissance aux entreprises en appliquant des méthodes rationnelles et on va vraiment choisir ses priorités et ses investissements. La deuxième chose, c'est le hacking, c'est tout simplement essayer d'hacker la croissance, c'est-à-dire détourner un peu le système, utiliser des logiciels et automatiser ce qu'on peut le faire ou sous-traiter, puisque moi aussi je fais appel à des sous-traitants, par exemple à Madagascar, qui me font gagner vraiment énormément de temps. Donc le gros hacking, c'est ça, c'est utiliser des techniques et des méthodes qui vont pouvoir assurer la croissance de son entreprise rapidement et à court terme. Cool! Et vous savez quoi, pendant cet entretien, on va essayer de vous donner des hacks qui peuvent s'appliquer à la fois au monde du blogging, tout à fait. Parce que Frédéric est auteur du blog conseilmarketing.com. Allez voir ce blog, c'est une pépite, c'est une mine d'or d'informations. Chaque jour, tu publies à quelle fréquence? Justement, c'est une des choses que je faisais pendant très longtemps. Je publiais quasiment, à un moment donné, je publiais tous les jours. Ensuite, j'ai publié 3-4 fois par jour et maintenant, 3-4 fois par semaine plutôt. Et maintenant, en fait, j'ai réduit mon rythme à 1 voire 2 articles maximum dans la semaine. Mais j'essaie de faire du qualitatif parce que dans ma niche, mon domaine qui est le marketing, si tu sors pas un article d'un minimum de 2000 mots,
Et en fait, tu n'es pas visible sur cette expression-là. Donc, en fait, il faut vraiment faire des articles plus longs, plus qualitatifs pour que les gens restent plus longtemps sur la page. Et maintenant, j'en suis même arrivé à faire des articles de 7 000, 8 000, 10 000 mots. Et pour cela, j'ai plusieurs techniques. Un, ben justement, je te parlais tout à l'heure de sous-traitance, ben faire appel à des rédacteurs externes. Donc, ça peut coûter 30, 40 euros pour faire un article externe. Et deuxième chose, je renforce en fait mes articles existants. C'est-à-dire que j'ai des articles qui marchent pas mal et en fait je rajoute du contenu. Je dis, ben là, tu bouges pas trop mon contenu existant, mais par contre, tu vas rajouter des trucs derrière. Je dis ça au rédacteur, je relis un petit peu tout ça, je mets en forme, je rajoute de la valeur, ce qui me permet d'améliorer l'article en lui-même, le renforcer et je le repousse en fait à une nouvelle date en disant, tiens, il y a un nouveau contenu, un nouveau truc. Et ce fait de rebooster des articles qui marchent déjà bien, c'est top. Et au contraire, tu vois, tu as des articles, si tu regardes ton trafic sur Google Analytics, hein, parce que là, on ne parle pas de YouTube, mais sur Google Analytics, tu vois, tu as des articles, en fait, qui n'ont pas du tout de trafic ou presque. Et ces articles-là, qui n'ont pas eu de trafic depuis 3 mois, c'est des articles un petit peu morts. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vaut mieux que tu reprennes ce contenu-là, soit tu le reboostes pour leur donner la visibilité, soit en fait, tu le récupères dans des articles pour les faire marcher encore plus. Donc, voilà. Un petit hack très simple, déjà, qui n'a pas forcément à voir un autre sujet, mais identifier sur votre site internet, votre blog, etc., quels sont les articles qui marchent le mieux, comparer par rapport à l'année passée, et s'il y a des articles qui sont en baisse, vous faites ce petit astuce-là, vous reboostez le contenu, vous supprimez les liens morts, vous mettez des images, vous mettez des vidéos, bref, vous enjolivez pas mal l'article, vous le republiez à la date du jour et vous faites une grosse promo sur votre newsletter, sur les médias sociaux et si possible avec des techniques avec les influenceurs. Voilà. Ça c'est bon, ça me plaît. Bah, vous savez quoi, ce hack que tu parles sur les blogs textuels, je vais vous donner tout de suite comment on peut l'appliquer à une vidéo sur YouTube. À un moment donné, vous faites le point sur votre vidéo sur YouTube, quelles sont celles qui ont le mieux fonctionné dans votre section vidéo filtrée sur les plus populaires. Quand vous avez repéré la vidéo qui a bien fonctionné, eh bien rien ne vous empêche d'en faire une édition de l'année en cours, une mise à jour. Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas d'essayer d'injecter du nouveau montage dans la même vidéo. Non, surtout ne supprimez pas cette vidéo qui a Ah bien oui, là. fonctionné. Vous allez en refaire une version mise à jour avec toujours plus d'énergie, des compléments d'information, peut-être même selon votre domaine d'activité, de dire bah, dedans il y a des mises à jour qui s'appliquent à cette année en cours, ou bah, parfois on prend même une longueur d'avance en disant comment réussir ceci en 2021? Et on le met dans le titre de sa vidéo. Et la précédente vidéo, surtout vous ne la supprimez pas, vous mettez un lien à l'intérieur ou des fiches qui indiquent qu'il y a une nouvelle vidéo qui traite du même sujet. Ça, c'est une bonne manière de faire. Et votre nouvelle vidéo, pareil, faites les actions de promotion sur la nouvelle vidéo qui vient d'être publiée, et elle-même, vous avez le droit aussi de faire un lien vers la précédente version, faire du cross-linking, faire du lien entre vos vidéos sur YouTube. Ça, c'est une bonne façon, parce que j'ai déjà reçu cette question d'une personne qui disait, ma vidéo, elle a performé, je veux en faire une mise à jour, je fais quoi? Je la supprime et j'en crée une nouvelle? Non, surtout pas. Voilà, je vous ai donné l'astuce. Maintenant, regardez bien. Pour compléter cette définition du growth hacking, Fred et Jamy m'ont prêté ceci de l'émission C'est pas sorcier, merci les gars. Sympa. Regardez bien, on a ici tous les étages. Alors, qu'est-ce qui est représenté ici? Ben, un tunnel, hein. Enfin, c'est bien ça. Alors, c'est vrai que tout le monde parle de sales funnel, de tunnel de vente. En fait, c'est plutôt un entonnoir Entonnoir, des pardon. ventes. Attendez, et Et en c'est pour ça plus. en fait que ça forme d'un entonnoir, c'est le Ben cycle oui, des ventes. Parce que exactement. tout le monde, c'est pas un tunnel où tout le monde rentre dans le tunnel et tout le monde va acheter. Non, il y a des gens qui rentrent dans le tunnel et qui vont passer les différentes étapes et d'autres en fait qui vont jamais acheter, qui vont jamais commander, etc., etc. Exactement. Donc, vous savez quoi? Là, je vous montre ici, et c'est du vrai, attention, hein. Il y a des heures de boulot là-dedans, il y a une équipe créa qui a travaillé là-dessus. Hein. Merci les gars. Regardez bien, donc derrière cet entonnoir de vente, il y a différents niveaux. À chaque niveau, vous aurez des hacks. Mais déjà, il va falloir trouver qu'est-ce qu'il y a derrière chacune de ces lettres. Le A. On n'est pas sur le film de Chabat. Hein. Mais on va jouer un petit jeu avec Fred et moi. Attention, vous connaissez le jeu pyramide? Regardez bien, je vais essayer de faire deviner à Fred le premier étage ici de cet entonnoir. Attention Fred, celle-ci je vais te la faire en deux. En deux? Ok. Alors, immobilier, investissement, achat. acquisition? Oui! Oui, acquisition. Le A de acquisition. Alors, de quoi s'agit-il dans cet entonnoir, le A de acquisition? Petite définition, s'il vous plaît. Bon, en fait, c'est simple, c'est identifier des carrefours d'audience, c'est-à-dire des endroits où sont vos prospects, pour pouvoir en fait savoir comment vous allez les exploiter. D'abord, généralement, ça commence manuellement.
C'est-à-dire que par exemple, vous identifiez que vous avez une partie de vos clients qui sont sur LinkedIn. Et bien, en fait, au lieu de lancer des machines pour balancer des milliers d'emails ou des milliers de messages d'un coup, commencez par envoyer 5, 10, 15, 20 messages manuellement et vous regardez un petit peu les retours. Souvent, en fait, il faut affiner le message d'accroche ou des choses comme ça. Par exemple, moi, j'avais commencé au début sur LinkedIn en envoyant des messages uniquement texte et je me suis rendu compte qu'en ajoutant une petite image, lorsque j'envoyais en fait une demande de contact, ça cartonnait beaucoup plus. Enfin, c'est le second message. Le premier message dit, voilà, je suis passionné de tel sujet. Le deuxième message, en fait, je dis, bah tiens, regardez ma BD sur l'expérience client et puis mon web séminaire sur Facebook Messenger. Et en fait, je joins trois images. Au début, j'en mettais zéro. J'en ai mis une et maintenant, j'en mets trois. Et tout de suite, les gens se disent, ah ouais, c'est super sympa. Et ils vont aller sur le site, voir cette fameuse BD et la télécharger et donc me donner leurs coordonnées. Très bien. Eh ben, hey, tu sais ce que ça me souffle, ça, comme hack, cette fameuse petite image sur YouTube. Alors vous savez quoi, là je vais en glisser quelques-uns des hacks comme ça. Je vous ai réservé une deuxième partie à cette vidéo où je vais donner plein de hacks en suivant cet entonnoir applicable à YouTube. Mais comme tu m'as soufflé, hein, eh ben je vous le donne. Puisque tu l'as remarqué qu'en ajoutant une petite image, ça t'apportait un taux de clic supérieur. Comment on peut retranscrire ça sur YouTube d'après vous? Mais vous avez la réponse, elle est déjà donnée dans la question. Une image sur YouTube, c'est la miniature vidéo. Elle est là pour acquérir plus, il faut faire plus de taux de clic. Une miniature super attractive qui tape à l'œil va attirer plus de clics pour venir regarder votre vidéo. Donc là, vous êtes en train de faire de l'acquisition quelque part parce que des gens ont aperçu votre miniature, ils ont cliqué dessus. Et là, encore une fois, on ne parle même pas de la qualité de la vidéo qu'il y a derrière, même pas de la qualité de production, de qualité d'image, de qualité de son. Non, juste vous avez fait une belle miniature vidéo attractive. Les gens ont cliqué dessus, vous pouvez mesurer ce taux de clic, puisque on a oublié de le préciser, mais un hack, c'est pas simplement un hack créatif, il faut le mesurer et constater s'il a apporté une croissance ou pas par rapport à ce que vous visez. Donc plus de vues sur une vidéo, ça commence par une miniature attractive, c'est un hack. Et je vous en donne plein d'autres en deuxième partie, on va profiter que Fred soit là pour continuer justement sur l'acquisition, donc avoir plus de trafic. Commençons déjà par un premier hack autour de la vidéo. Alors, autour de la vidéo, il y a un truc très simple. Là, j'ai mis en place il y a déjà quelques mois. C'est d'utiliser un logiciel qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Ce logiciel s'appelle Jarvee, J-A-R-V-E-E.com. Ça coûte, je crois, une trentaine de dollars par mois, quelque chose comme ça. Et c'est utilisable sur plusieurs canaux, YouTube, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Et le principe, en fait, c'est tout le temps le même. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir prendre contact avec des gens qui regardent ensuite ce que vous faites, parce qu'ils disent « mais qui c'est ce gars-là » qui m'envoie une demande de contact. Et ensuite, vous allez comme ça pouvoir acquérir du trafic. Je vous donne un exemple très simple pour la vidéo. Donc pour YouTube, j'ai sélectionné en fait un certain nombre de mots-clés qui sont par exemple blogging, qui sont expérience client, qui sont stratégie médias sociaux, etc., etc. Et je lui ai dit à Jarvee, tous les gens ou toutes les chaînes qui parlent de blogueurs, qui parlent de médias sociaux, qui parlent de stratégie, inbound marketing, etc., etc., tu vas aller soit liker la chaîne, soit tu vas aller faire un petit like sur une vidéo. Tu peux même faire des commentaires automatiques, mais ça je le fais pas parce que je trouve que quand c'est automatisé, c'est pas très beau. Et en fait, grâce à ça, j'ai des gens qui me disent « Ah, c'est super gentil d'avoir liké ma chaîne, je connaissais pas ta chaîne actuellement, je vais regarder ça, j'aimais bien ton tuto, machin. » Et j'ai eu plusieurs réponses comme ça, spontanées, alors que moi j'ai lancé le truc, je l'ai mis en place. C'est un truc qui se lance sur mon ordi, là, si mon ordi est juste en face là, si je clique dessus, tu vois, tu as le petit Jarvee qui est juste là, et puis en fait, il ajoute comme ça tout seul, automatiquement des gens sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, blablabla. Et ils vont, comme ça, en fait, ils vont voir ce que tu fais. Alors, la clé, ça sera d'avoir du bon contenu. Si tu as ta chaîne YouTube ou si ton compte Instagram est tout pourrave, ça va être naze. Il faut vraiment que tu aies un contenu qui est intéressant. Les gens se disent, tiens, il m'a liké, je regarde ce qu'il sait et je vois que c'est des trucs intéressants. Et donc, à ce moment-là, je le suis, je regarde ses vidéos, etc. Donc là, ensuite, tu l'as dit, hein, il faut mesurer le résultat. Et grâce à Jarvee, tu as un petit tableau de bord et il te montre en fait le nombre d'ajouts qui ont été faits, le nombre de personnes qui t'ont suivi derrière et tout ça. Et donc, c'est vraiment super intéressant. Pour 30 dollars par mois, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, YouTube, ce n'est pas forcément mon canal préféré. Moi, je suis beaucoup sur le podcast et beaucoup sur les articles, etc. Mais ça a quand même permis d'augmenter au moins de 20 à 30% le nombre de mes abonnés. Je vois vraiment sur ma chaîne YouTube une augmentation à partir du moment où j'ai utilisé cet outil-là. Alors, il faut le faire de manière intelligente, il ne faut pas trop jouer les bourrins. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Voilà.
Excellent. Et tu me parlais tout à l'heure de la miniature. Oui. Ça me rappelle un truc. Là, tu dis la miniature, c'est important parce que les personnes vont voir ta miniature et avoir envie d'aller la voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette miniature-là, elle est mise souvent sur la droite quand il y a les vidéos qui sont suggérées. Il y a une petite astuce qui consiste justement à prendre la vidéo la plus vue dans ta thématique. Imaginons que on parle de comment monter un blog. Toi, tu fais une vidéo qui s'appelle Monter un blog. Tu vas faire bien sûr ta miniature qui va être optimisée. Et ben en fait, dans les mots-clés de ta vidéo, tu vas mettre exactement le nom exact de la vidéo la plus vue sur le mot-clé Monter un blog. Donc tu fais ta vidéo, tu tapes dans le moteur de recherche de YouTube Monter un blog, tu regardes quelle vidéo apparaît en premier, tu copies-colles le titre, tu le mets dans tes mots-clés de ta vidéo et tu auras un peu plus de chance. Alors je ne te dis pas que ça va être systématique, mais tu as un peu plus de chances que ta vidéo apparaisse dans les suggestions en bas à droite. La vidéo que tu as trouvée dans les moteurs de recherche, ce n'est pas forcément ta Ah non, vidéo. Justement, c'est pas la D'accord, tienne, d'accord. c'est celle de ton concurrent. D'accord. Et en reprenant ces mots-clés à lui, en les injectant dans tes mots-clés à toi sur ta vidéo, tu augmentes tes chances, effectivement, c'est vrai, Ouais. d'apparaître dans les vidéos suggérées. Mmh. Les vidéos suggérées, c'est aussi, j'en parlerai sur la deuxième partie, dans les hacks applicables à la vidéo et notamment à YouTube. C'est super puissant, effectivement, parce que couplé à une miniature qui tape à l'œil dans les vidéos suggérées, vous avez compris, vous faites le bon combo, vous réussissez à être suggéré par YouTube avec une miniature qui tape à l'œil, qui donne envie de cliquer dessus, forcément et mécaniquement, vous augmentez votre nombre de vues, et ça peut se mesurer. Et oui, je vous explique tout ça dans la partie 2. Ouais, tu as même une autre astuce. Alors là, dans le gros hacking, la partie hacking, c'est également essayer d'aller capter du trafic sur des carrefours d'audience existants. J'ai dit, ben voilà, tu peux aller sur LinkedIn, cibler les personnes, les ajouter aussi d'une manière automatique. J'en ai parlé tout à l'heure. Là encore une fois, tu as Jarvie qui peut le faire. Tu as LinkedIn Helper qui peut le faire également, qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. Mais tu peux aussi jouer un petit peu les hackers. Imaginons que dans ton domaine, on va parler d'une autre, dans le domaine du web marketing. Tu as des gros leaders qui ont fait des formations vidéo très connues ou des choses comme ça. Tu peux exploiter un petit peu leur nom. C'est-à-dire que tu vas dire, voici ce que je pense de la formation de Bidule. Oui. Ou tu mets dans les mots-clés de ta vidéo, les mots, ou ton article, le blog, hein, les mots-clés en fait de cette personne-là. Ben, par exemple, il y avait Romain Collignon il n'y a pas longtemps, que je connais, qui m'a dit, qui m'envoie un message, hey, dis donc. Comment ça se fait que quand on tape Romain Collignon tunnel de vente, on arrive sur ton blog, j'ai une alerte sur Google Alerts. Je dis, ah, bah en fait, j'utilise un outil qui s'appelle Answer the Public, Infinite Suggest, SEMrush et également Google Keyword, ce qui me permet en fait d'avoir toute une série de mots-clés qui avec, tu peux voir un peu le trafic que ça génère, et tu dis, bah, c'est là-dessus que je vais aller être présent. Et donc c'est pour ça, parce que je n'avais même pas vu, j'avais ajouté les mots-clés les plus populaires, j'avais même pas vu que c'était son nom qui sortait. Et ben pourtant, ça sortait. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens comme ça qui m'ont dit, tiens, mais comment tu fais ça? Et ça marche pas mal, si tu veux comme ça, aller chercher des mots-clés avec du trafic. Tu peux le faire pour ton article de blog, tu peux le faire également pour tes vidéos. Après, on va dire le plus éthique et le moins hacking, au sens le plus white hack, c'est tout simplement de solliciter un interview avec cette personne. Ouais. Et là, vous aurez aussi le levier de la promotion que cette personne peut faire sur sa vidéo. Vous pouvez vous autoriser exactement. à citer son nom et son prénom dans votre vidéo parce que vous l'avez interviewé. Donc il y a plein de belles choses à faire avec ça. Ouais. Je te propose de poursuivre sur les prochains mmh. étages de notre entonnoir en vous Ouais. donnant toujours plus de hacks. Hey! Est-ce que cet extrait t'a plu? Si oui, eh bien il te reste qu'une chose à faire pour voir l'intégralité de cette interview. Viens t'inscrire gratuitement au sommet de la vidéo.